Alors, bienvenue à l'école PEF. Tout d'abord, nous allons commencer par la classe des petits, celle qu'on appelle la classe des petits, en tout cas des moins grands. Donc, c'est tout de suite en arrivant, donc on va être obligé de faire tourner la caméra. Voilà, donc dans la classe des petits, avec une mezzanine, qui peut servir aussi de lieu de temps calme, si nécessaire, de lieu un petit peu plus tranquille, si jamais un groupe d'enfants veut se retirer un petit peu du reste de la classe. Donc voilà, c'est la classe des petits qui... Donc là, nous sommes dans la salle, a priori de travail manuel, en tout cas salle polyvalente, qui nous relie à la mairie. Et là, les enfants peuvent à l'occasion faire du travail manuel. Là, vous voyez qu'on est en pleine floraison. Donc voilà, ça permet d'agencer les tables de différentes manières. On a un véritable espace quand on prépare carnaval, quand on prépare différentes manifestations. C'est bien. Pour visionner certains DVD. Voilà, on a une pièce spéciale pour ça, la salle polyvalente. Donc cette fois-ci, nous sommes dans la BCD, la bibliothèque, dont nous sommes très fiers, qui a de nombreux ouvrages de tous les styles, romans, BD, mais en quantité. Et les enfants participent au choix également. Donc chaque mois, de nouveaux ouvrages sont achetés en fonction de leurs demandes. Donc ils ont un accès libre et nous avons l'énorme plaisir d'avoir des élèves qui aiment beaucoup, beaucoup lire. Donc grâce à notre liaison... depuis quelques années avec PEF, mais ça peut être aussi avec la bibliothèque de Mercurey à travers un défi lecture. Voilà, tout est réuni pour que les enfants qui passent par Charçay aiment lire. Alors nous voilà pour finir dans la salle de classe des grands, qui sont les plus âgés de l'école, avec comme particularité d'être, on va dire, bien décoré, et avec notamment le système solaire, et non pas scolaire, au plafond, qui s'illumine en même temps que les cerveaux des élèves, hein, tout s'illumine. Donc voilà, c'est une salle de classe, on va dire, bien remplie.